Je sais que tu entends ça. Tu sais comment je sais que tu entends ça? C'est toi qui as réglé l'alarme hier soir. Tu vas encore faire comme si tu ne l'entendais pas ce matin? D'accord. Ça va continuer à sonner. Ça sonne toujours. Je sais que tu entends encore ça. Ok, maintenant, le son commence à te déranger. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois, c'est ici que se trouve le premier choix de ta journée. Tu dois prendre la décision. Vivre une journée à 110% ou trouver encore une nouvelle excuse. C'est à ce moment précis que tu décides de vivre aujourd'hui ou de reporter encore et encore à demain. Sur ton réveil, à répétition, ou tu vas sortir le cul de ton lit. Choisir la facilité ou aller chercher ce qui te revient. Maintenant ou demain? Peut-être que demain ne viendra jamais. 5 ans, 10 ans, 15 ans se sont écoulés et tu continues de fuir. Tu viens de rater ta séance d'entraînement, ta perte de poids, ton repas avec ceux qui comptent pour toi chaque matin, ton rendez-vous d'affaires, ta lecture, ta session de formation. Pourquoi ces rendez-vous manqués? L'argent? Les diplômes? Les autres? Non. Rien à voir avec tes diplômes, ton compte en banque ou ton lieu de naissance. Tu viens de faire le choix entre l'effort et la facilité. En appuyant sur le bouton de ton réveil, tu as déjà perdu. Today it's my day. Today it's my day. Today it's my day. Today it's my day. Continue de dormir loin de ton succès. Continue. Le matin arrive une fois par jour et tu viens de gâcher celui-ci qui ne se représentera plus jamais. Tu as mis cette alarme parce que tu voulais te lever, parce que tu avais des projets. Et au final, tu restes au lit parce que tu as abandonné. Tu pourrais être la prochaine Oprah, la prochaine J.K. Rowling, le prochain Michael Jordan, Mozart, Picasso. Mais non, tu as pressé sur ce putain de bouton ce matin. À ton réveil, tu vas encore trouver des excuses et tu vas faire preuve d'une immense créativité. Tu vas même juger les autres pour te fuir. Pendant ce temps, tes concurrents, les futures réussites de demain et d'hier sont déjà levées. Serena Williams, Dwayne Johnson, Ariana Huffington, Richard Branson et bien d'autres, tous sont déjà debout. Lorsqu'on voit grand, lorsqu'on a faim, lorsqu'on veut réussir autant que nous avons besoin de respirer, alors notre vie change. Il n'y a pas de meilleur sentiment nourrissant pour notre mental que celui d'avoir tout fait pour aller jusqu'au bout de ses projets. Peu importe si j'échoue, peu importe si je me trompe, mais je dois le faire. Je dois le faire et je vais le faire. Fais-le. Fais-le, ne recule pas. Fais-le. Tiens tes engagements envers toi-même. C'est le seul vrai combat de ta vie. De tenir tes engagements. L'autodiscipline, l'engagement total. J'espère que ce nouveau temps fort vous a énergisé et enrichi, notamment avec quelques idées et stratégies laser à implémenter dès maintenant dans votre entreprise, mais aussi dans votre vie de leader et d'entrepreneur 360 degrés. D'ailleurs, laissez-moi un commentaire et dites-moi ce que vous avez retenu de cette vidéo. J'adore lire vos commentaires. Numéro 1, pour mieux choisir le contenu à vous proposer chaque semaine. 2, pour mieux comprendre comment vous aider plus en plus. Et 3, quels sont vos défis de croissance? Vous savez, votre capacité à penser 1, planifier 2, agir 3, de manière stratégique, affecte les ventes et la rentabilité de votre activité plus que toute autre chose que vous faites.
Et très souvent, un seul changement de quelques degrés que vous allez apporter va entraîner une différence majeure à moyen terme dans vos résultats. Et c'est pour ça que nous avons un livret digital que nous souhaitons vous offrir gratuitement maintenant. On l'a intitulé « Les 25 questions stratégiques pour développer votre entreprise ». Si vous ne connaissez pas les réponses à ces 25 questions, vous allez perdre gros. Ou encore, si vous avez les mauvaises réponses à ces 25 questions. Le monde a réellement changé. Et ça, vous le savez. Chaque mois, le marketing, les médias sociaux, les processus de vente, les funnels de vente, les habitudes des consommateurs, tout a changé. Et c'est terminé cette époque où on se formait une fois par an ou tous les deux ans pour rester juste à jour. Et ça allait bien. Mais aujourd'hui, il faut être constamment en mode recherche et développement, recherche, formation, valeur ajoutée. Et je veux que vous soyez prêts et prêtes. Vous devez donc développer votre activité dans laquelle, je vais vous donner évidemment des astuces, mais dans laquelle vous devez rester engagé. Vous devez aussi anticiper ce qui va suivre. Et dans ce livret digital, c'est exactement ce que je vais vous inviter à faire en vous dévoilant 25 questions stratégiques que nous nous posons chaque mois dans mes propres entreprises. Et je vous les offre aujourd'hui. Pour découvrir ce livret digital gratuit, il suffit simplement de cliquer sur le lien et on se retrouve de l'autre côté.